Yo tout le monde, c'est Sasfix. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 Online 1.42 pour un nouveau glitch d'argent, un solo cette fois-ci. Donc c'est le même glitch d'argent que je vous ai présenté hier, sauf que cette fois-ci c'est un solo. Donc je vous invite à liker et partager à vos abonnés si c'est pas déjà fait. Donc pour commencer, il vous faut aller sur Start, en ligne, éditeur. Donc, vous allez rejoindre l'éditeur. Et au passage, il vous faudra un complexe et un centre d'opération mobile. Bien sûr, on est équipé, je suis non custom. Et un véhicule dupliqué. Donc une fois que vous êtes dans l'éditeur, vous allez faire start. Vous allez aller dans paramètres, commande, dans mode de visée, vous allez mettre visée libre, pas visée libre assistée, visée libre. Voilà, comme là. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez dans en ligne, jouer à GTA Online et vous allez aller sur session invitation, comme ça vous serez tranquille. Voilà, vous y allez. Donc après, la manipulation est très facile. En plus, le glitch, ce qui est bien avec ce glitch, c'est qu'il est très rapide. En plus, cette fois-ci, que c'est un solo, c'est encore plus rapide que celui que je vous ai présenté hier. Donc voilà, un langage apparaît dans mon complexe. Donc, une fois que vous êtes dans votre complexe, vous allez devoir sortir une Inagi RH non custom à l'extérieur de votre complexe. Si vous ne faites pas ça avant faire manipulation, le glitch va pas fonctionner. Donc je vais vous montrer où se trouve la Inagi RH8 non custom. Pour ceux qui savent pas où est-ce que se trouve, elle se trouve sur Legendary Motorsport, également aussi sur Benny's. Donc c'est pareil, au même prix, en plus c'est gratuit. Vous êtes dans Voyage et Transport, Benny's ou Legendary, c'est pareil, donc vous êtes dans stock. Donc la Inagi RH8, elle est ici. 0$ comme vous le voyez. Donc après, vous allez dans Warstock, dans votre centre d'opération mobile, dans module 3, vous devrez avoir le dépôt de véhicule personnel. Si vous savez pas ça, ben, pour la fin du glitch, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà. Donc maintenant, ce que vous allez faire, vous allez prendre votre Elegy non custom. Vous allez la sortir votre complexe. Alors pour les véhicules dupliqués, moi je vous conseille une Elegy Rafi Custom Land Raider, c'est celle qui sera vraiment le plus cher. Après, vous pouvez dupliquer ce que vous voulez comme véhicule. Pour ma part, c'est celle-ci. Voilà, vous laissez votre Elegy non custom dehors, vous rentrez dans votre complexe. Et donc maintenant, ce que vous allez faire, vous allez rejoindre votre salle de braquage. Donc ici, il vous faudra posséder d'une mission, préparation ou de braquage. Si vous n'en avez pas, ben, vous allez faire une petite mission du mode libre pour les avoir. C'est très rapide. Donc maintenant, il vous faudra un ami qui sera dans GTA Online mode histoire. Alors quand je dis un ami, comme je vous dis, c'est un solo. Il vous faudra juste un ami en ligne, pas besoin qu'il joue avec vous. Donc voilà, inscrivez-vous en PDG ou en club de motards. On va passer un club de motards. Donc maintenant, vous allez faire start, ami. Et vous allez prendre un ami qui est le symbole du V. Donc moi j'en ai trois amis, j'ai trois amis avec le symbole des niveaux. Pas celui qu'il faut prendre, il faut prendre celui qui est le symbole du V. Donc moi celui-ci. Ça ne marche qu'avec quand il y a marqué joue à Grand Theft Auto 5. Si il y a marqué joue à GTA Online, ça ne marchera pas. Donc ce que vous allez faire maintenant, vous allez appuyer sur son profil, vous allez voir son profil. Vous allez avoir un chargement qui apparaît après ça. Vous allez dans présentation. Après, vous allez vous appuyer sur Grand Theft Auto 5 et vous allez rejoindre. Et quand vous avez rejoint, vous allez spammer rond. Donc là, vous faites rond, 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 rond. Vous allez faire flèche droite le plus vite possible. Vous rejoignez une mission le plus vite possible. Le plus vite possible. Donc là, vous acceptez tous les messages d'alerte. Il va y en avoir 3. Donc vous acceptez les 3. Alors quoi, pour revenir à tout à l'heure, vous faites rond, 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 rond jusqu'à. Vous avez le menu poste qui s'en va, vous faites flèche de droite le plus vite possible, il vous rejoint, vous êtes dans le menu d'une mission. Une fois que ceci est fait, vous pouvez rouler dans votre complexe normalement, enfin normalement, vous pouvez rouler juste dans votre complexe en solo. Donc ce que vous allez faire maintenant, vous allez prendre votre véhicule dupliqué, donc moi c'est la Inagi RH8 qui semble en raider. Donc vous allez la prendre.
Donc voilà, je prends mon véhicule. Vous allez voir, vous accélérez et vous voyez que je peux rouler dans mon complexe. Maintenant, on peut faire ça en solo rapidement. C'est vraiment pas mal. Donc maintenant, vous allez faire comme je vous ai montré hier. Vous allez coller votre véhicule à dupliquer comme moi. Alors, il faut que vous collez votre véhicule qu'après votre personnage sorte du côté pilote. S'il sort du côté copilote, pardon. S'il sort du côté pilote, ça va pas marcher. Il faut replacer votre véhicule, ça ne marchera pas. Il faut qu'il sorte du côté copilote. Ah pardon, j'oublie chaque fois. Donc maintenant vous allez prendre une Fajo Onigiri non custom pour bloquer la portière du copilote. Fajo Onigiri, aucune importance, c'est pas grave. Même entre le véhicule, c'est pas grave. Donc vous bloquez la portière. Voilà, comme j'ai fait moi. Donc voilà, avant de faire la manipulation, vous allez voir si vous pouvez appuyer sur le triangle et monter votre véhicule. Parce que si ça marche pas, il faudra replacer le véhicule. Donc ça marche. Maintenant, vous appuyez X triangle, comme ça. Vous posez votre manette, vous préparez votre index et votre index sur X et votre majeur sur le triangle. Et vous faites X triangle de suite. Pas en même temps, X triangle. Et si vous sortez avec votre véhicule, vous avez réussi le glitch. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire qu'à commander votre centre d'opération mobile. Donc, il faut mettre le module 3 comme je vous ai dit au début. Et une fois que vous serez monté dedans, ça vous fait sortir de votre véhicule et vous n'aurez qu'à remonter dedans et accélérer pour sortir. Et le glitch est terminé et vous pourrez placer votre véhicule dans n'importe quel garage. Voilà, vous remontez votre véhicule et vous ressortez. Et vous passez dans votre véhicule dans n'importe quel garage. Donc moi, je vais mettre dans mon complexe pour vous montrer que la duplication a bien fonctionné, que c'est pas du fake. Que ça a bien fonctionné, vous allez voir ça. Donc voilà, moi je vous laisse sur la fin. C'était SFX, c'était tout le monde. Peace!